So we do not need to see what an older, loonier Donald Trump looks like with no guardrails. America's ready to turn the page. It takes stamina to run for president. It takes stamina to be president. And Donald Trump does not have stamina. She's off. No, I can't get over it. Who the hell takes off? We have 14 days left. And she'll take a couple of more days off, too. You know why? She's lazy as hell, and she's got that reputation. Encore beaucoup d'insultes de la part de Donald Trump aujourd'hui, traitant Kamala Harris de paresseuse. Et pourtant, on n'est qu'à 2 semaines des élections. Hein, mardi soir, dans 2 semaines, ça va être la soirée électorale avec Patrice Roy. Kamala Harris, elle a passé la journée en réunion et devait enregistrer des entrevues. Donald Trump l'a qualifiée donc de paresseuse. Et pourtant, Tim Walz et Barack Obama ont soulevé la foule en faisant campagne dans un État très important au Wisconsin. Ils ont écorché le candidat républicains à leur manière et exhorter la foule à aller voter, surtout le vote par anticipation commençait aujourd'hui au Wisconsin, un État important pour la victoire. Mon invité est sur le terrain là-bas, Valérie Beaudoin, chercheuse associée à la chaire Raoul Dandurand sur les États-Unis. Donc, Valérie, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, peut-être vous décrire l'ambiance sur le terrain. C'est toujours une expérience toute particulière. Racontez-nous, pas votre journée, mais vos observations sur l'ambiance qui règne. Mais pour les démocrates en général, autant quand j'étais de passage en Pennsylvanie qu'au Wisconsin, c'est le sentiment d'urgence. Le nombre de fois où on s'est fait demander d'être bénévole, de faire des appels, d'aller frapper aux portes. Alors, c'est le dernier droit dans cette élection. On sent donc que ça va être très, très serré. Les gens étaient gonflés à bloc aujourd'hui à ce rassemblement, mais je pense que pour les organisateurs, on n'est peut-être pas aussi enthousiastes parce que les sondages ne sont pas nécessairement toujours très à l'avantage des démocrates. Et c'est pas pour rien qu'on a une pointure comme Barack Obama. Écoutez, Anne-Marie, c'était comme s'il y avait une rockstar qui était arrivée dans la salle. Lorsqu'il est arrivé, les gens étaient debout, les gens criaient « on t'aime, on s'ennuie ». Alors ça, c'était vraiment, pardonnez-moi le mot anglais, mais un boost pour la campagne démocrate. Donc, les démocrates en ont vraiment besoin. Et puis bientôt, il va faire campagne au Barack avec Michelle Obama. Donc, c'est important d'avoir Barack Obama. Est-ce que ça fait bouger l'aiguille? Vous avez évoqué les sondages et dans un État où ça joue très serré en plus. Oui, Barack Obama ne sera pas seul. Vous avez parlé de Michelle Obama, mais il va y avoir Bruce Springsteen aussi avec lui. On dit que Eminem, le rappeur, sera avec lui à Détroit et que c'est très rare qu'il veut participer à des activités politiques. Alors, on cherche à faire sortir le vote et à motiver les électeurs au maximum. Et c'est ça le rôle de Barack Obama. J'étais à Madison, au Wisconsin, donc où je me trouve lors du rassemblement. On n'avait pas une foule pleine, par exemple, d'Afro-Américains ou de jeunes. On avait une population blanche. On avait des gens plus âgés. Alors, il s'adressait à ces personnes-là en disant que c'est important de voter au niveau tout ce qui est sécurité sociale pour les retraites. Il a parlé d'Obamacare et le nerf de la guerre, c'est ce qu'il a répété, c'est le vote, la sortie de vote. Je sais que je me répète un peu avec cet argument, mais c'est vraiment ça qui est au cœur de cette campagne et c'est ce que Barack Obama a voulu faire avec sa popularité. Son taux d'approbation chez les démocrates est à plus de 90% et ça reste une des personnalités politiques les plus populaires, même chez les républicains, les gens au centre. Ah, parce qu'on peut prendre l'exemple du Wisconsin où le vote par anticipation commençait. On parle d'un état clé. Pourquoi? Parce que c'est tellement serré que ça se jouait peut-être dans le passé à quelques milliers de voix, mais là, ça peut être encore plus serré, non? Oui, à la dernière élection, c'était à peu près 20 000 voix. Et aussi, on m'a expliqué au Wisconsin, dans certaines circonscriptions, la différence était de 2 ou 3 voix entre les différents candidats parce qu'il y a aussi une sénatrice qui est en élection, des gens à la Chambre des représentants. Bref, c'est pour dire à quel point c'est serré et le taux de participation n'était pas très, très bon la dernière fois. Donc, c'est pour ça qu'on donne un effort supplémentaire aujourd'hui pour la population du Wisconsin en particulier. Ça fait partie des fameux États-clés. Hein. On les nomme souvent les 7 États-clés, mais le Wisconsin, c'est dans les États d'anciennement le mur bleu avec le Michigan et la Pennsylvanie. Donc, très important pour Kamala Harris de remporter l'État. Bon, on a vu témoin aujourd'hui aux côtés donc, de Barack Obama. Est-ce que c'est un bon orateur? Est-ce qu'il soulève les foules? Il a de l'humour. Barack Obama, on l'évoquait, bon, il y avait quand même de l'humour chez Barack Obama. Et témoins a aussi critiqué Elon Musk. Il a même dit que c'était le vrai colistier de Donald Trump. Oui. On sait que Donald Trump veut nommer Elon Musk dans son gouvernement.
Oui, tout à fait. Il a parlé d'un conflit d'intérêts énorme. Il dit, écoutez, c'est la personne la plus riche de la planète qui a des intérêts pour ce qui est de l'exploration dans l'espace, Tesla et tout ça, et on veut lui donner encore plus de pouvoir. Alors, il a parlé de cette inquiétude par rapport à ça. Et je pense que le talent de témoin, justement, c'est d'être le gars d'à côté, hein, son voisin. Il joue beaucoup le rôle de l'ancien professeur d'école, l'ancien coach. Il a parlé beaucoup de football. Il a même dit, le vote est tellement serré que dans les prochains matchs, je vais pas prendre pour le Minnesota. Je vais m'abstenir de commenter les matchs de football parce que je veux avoir les votes au Wisconsin. Il était très cru, hein, par moment, dans les expressions qu'il a utilisées. Pourquoi? Parce que je pense qu'il s'en permet un peu plus que Kamala Harris dans les attaques envers Donald Trump. Il a parlé de son manque d'énergie, on l'entendait dans l'extrait d'entrée de jeu, mais il y avait d'autres petits moments comme ça aussi. Il n'a pas hésité du tout à l'attaquer et ridiculiser Trump surtout, entre autres avec cette histoire au restaurant McDonald's de la Pennsylvanie. Mais c'est un choix difficile. Est-ce qu'on doit ou non s'abaisser en répliquant aux vulgarités de Trump ou pas, ou regarder vers l'avant puis parler des enjeux? Bon, Elon Musk, revenons à lui quand même. Il va donner 1 million par jour à un partisan de Trump, donc, qui est enregistré et qui signe une certaine pétition, si je comprends bien. Les gens se demandent si c'est légal ou pas. En fait, Trump s'achète une élection ou Elon Musk s'achète un président. C'est un peu ça, non? Oui, c'est très bien résumé, parce que normalement, on peut pas acheter des votes. C'est complètement illégal. Elon Musk le fait dans une zone grise parce qu'il a ce qu'on appelle un super PAC, donc un comité d'action politique où il a injecté déjà plus de 70 millions. Et en plus, il va donner 1 million par jour dans cette loterie. Et je l'ai vu dans un rassemblement de Donald Trump en Pennsylvanie le week-end dernier. On passe avec des pancartes, avec un code QR pour s'inscrire sur la fameuse pétition pour pouvoir gagner le million de dollars. Alors, dans les rassemblements de Trump, on profite de l'occasion. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment sur la ligne entre la légalité et l'illégalité. 1 million de dollars par jour, c'est du jamais vu dans une élection politique pour quelqu'un qui décide finalement d'appuyer Donald Trump. Et Trump, aujourd'hui, essaie de convaincre, je crois, les électeurs latinos. Les sondages semblent favoriser. Oui, tout à fait. Alors, dans les derniers sondages, Donald Trump est même en avance auprès des Latino-Américains. Est-ce que c'est avec l'événement d'aujourd'hui qu'il a, attiré de nouveaux électeurs? De ce qu'on en sait, c'est qu'il a parlé beaucoup, peu écouté, qu'il a pas voulu répondre directement aux questions des gens, aux préoccupations, entre autres, d'agriculteurs, de gens d'affaires. Il a dit qu'on allait déporter encore tout le monde. Alors, la même rhétorique qui reste, on s'explique mal pourquoi il y a une aussi bonne performance auprès du vote latino-américain. Mais selon d'autres sondages, c'est parce que les gens se sentent pas concernés par les propos de Donald Trump. Ils disent que ce sont les autres immigrants et non moi. Alors, les gens font une distinction entre les deux. Je vais parler, mais récemment, quelques secondes, d'un article qui est une bombe, en tout cas, aux États-Unis aujourd'hui, sorti dans The Atlantic, qui rapporte une discussion de Trump à la Maison-Blanche, à la suite d'un soldat qui a été tué, les propos de Trump qui finalement finit par dire « ben moi, je voudrais que mes généraux soient comme ceux qu'Hitler avait ». Oui, c'est terrible. On dit qu'il a dit ça dans une conversation privée. Il y a deux sources qui ont dit à The Atlantic qu'il avait dit ça parce qu'il voulait une loyauté totale des membres de l'armée américaine. Parce que dans le cas qui nous intéresse dans cet article-là, on avait voulu payer pour des funérailles pour une femme soldat qui est décédée, pas directement dans le cadre de ses fonctions, mais dans un contexte militaire. Et Donald Trump était fâché de recevoir la facture si nécessaire. Donc voilà pourquoi il aurait tenu ses propos et le lien avec Adolf Hitler. Et des commentaires racistes parce que c'est une Mexicaine aussi. Ah oui. En voulant dire aussi pourquoi est-ce que je paierais pour des funérailles d'une Mexicaine, ça ne coûte pas aussi cher que ça. Très bien. Merci beaucoup, Valérie. On se retrouve donc vendredi déjà parce que, mesdames, messieurs, on aura une émission spéciale de 2 heures le 25 octobre. Nos journalistes, collaborateurs et experts feront le bilan de cette campagne présidentielle historique. On va s'inspirer des mots, pas toujours élégant quand même, des expressions et des phrases qui ont marqué cette campagne et qui finissent bien soit le style de campagne ou les idées proposées aux électeurs. C'est une émission spéciale de 2 heures ce vendredi à 19 h. Très bonne soirée à notre antenne. Au revoir.